Alors, plus qu'un clic à faire, normalement. Oh non, non, on avait. XSplit, on avait dit on faisait pas comme ça, c'est pas grave. Ah, attendez. Je pense qu'il va falloir que je fasse ça, sinon. Ça va mal se passer. Moi, ce que je veux quand même, c'est afficher le chat. C'est la moindre des choses. Hop, on va mettre le micro là. Alors. Ah ouais, par contre, faut écrire proprement. Désolé, encore une fois, j'ai le bug traditionnel de XSplit, qui est que je vérifie si tout fonctionne avant le stream, tout fonctionne, et quand je démarre le stream, eh ben j'ai le chat qui n'est plus là. Et c'est pénible, mais c'est pas grave. Alors, normalement on fait ça, et... Ouh, salut! Il y a du monde d'un coup. Ah bah voilà, ça fonctionne, voilà. Alors, tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Je l'espère. Ouh, salut! Apparemment, le son de ma voix, ça passe. Est-ce que vous entendez le son du jeu? Apparemment, le son de ma voix, ça passe. Est-ce que vous entendez le... Ça a l'air d'aller aussi, apparemment. J'ai écouté vite fait sur le retour, faut juste que je fasse une chose. C'est mettre le retour en 144p, et voilà. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous re-souhaiter la bonne soirée, et j'en avais parlé lors du live d'hier, en fait, de brancher en fait le Bartov, faire un petit, voilà, une petite sélection de mes jeux préférés sur Neo, mais qui sont pas forcément les... Comment dire, les classiques comme étant les KOF, enfin, tout ce qui tend les jeux de baston et les Metal Slug. On va commencer par un petit Puzzle Bubble. Alors, je dois avouer, là, c'est le stream 0.9, c'est pas le stream 9.0. J'ai galéré avec mes branchements comme c'est pas permis. Et j'espère pour le coup que tout fonctionne. Alors, j'ai par contre un truc qui m'énerve, c'est ma webcam. Comme d'habitude, c'est l'angoisse. Et mais là, c'est encore pire parce que je n'ai pas pu ajuster en fait le niveau de blanc. Ah si, je peux peut-être comme ça. Attendez, ce que pour le coup, ça, c'est un truc que je voudrais bien faire avant. Parce que c'est assez pénible. Ah ouais, par contre, hop, voilà, on va essayer de prendre. Je vais quand même essayer de prendre 2 minutes. Parce que j'avais pas pensé que je pouvais ajuster le niveau de blanc. Alors, niveau des blancs, balance des blancs. Là. Ah, elle était en automatique. Et si je fais l'inverse? Ah, ouais, bon, on me voit un peu en grisonnant, mais c'est pas grave. Je pense que ça sera mieux. Voilà, on va faire comme ça, je remettrai après. Comme il faut. Donc j'ai le chat sur le côté, tout fonctionne, ça va encore être le stream de l'angoisse, mais c'est pas grave. Par quoi on commence? Bah là, un petit Puzzle Bubble. Hop. Alors, j'aurais pu, il est vrai, attendre quelques jours et potentiellement avoir un pote pour jouer avec moi, mais bon. C'est pas bien grave. Tant que j'y suis, n'hésitez pas à proposer des choses hein, pour les prochains streams ou même en fait les jeux auxquels je vais jouer après. Donc ben, ce qu'il faut, c'est que ça soit de la Néo. Là, c'est vrai que j'aurais pu jouer un peu plus follement. Normalement, ça passe. Voilà. Alors donc, j'ai refait en fait un kit Bartop comme celui de l'an passé en fait. Un kit que j'ai acheté chez PM88. Qui est en fait l'un des kits les moins chers du marché. En fait, je voulais en refaire un. Pour le boulot, pour le travail, tout simplement. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que c'est une des choses qui marche le mieux en fait en animation. Étonnamment, même les gamins qui s'en foutent du rétro gaming, en fait, ils voient une borne, ils se ruent dessus. C'est l'une des choses qui m'a étonné. Après tout, pourquoi pas. Alors, Puzzle Bubble étant pas un jeu auquel je suis très fort. Je me suis fait bourmenter par mon pote Rémi samedi en jouant à ce jeu. En fait, je pense que je dois réfléchir trop ou alors pas assez. C'est comme Ralph Wiggum en fait dans les Simpsons, quand il a le nez qui saigne, c'est parce qu'il met trop son doigt dans le nez ou alors pas assez. Forcément l'un ou l'autre. Voilà, on peut mettre là, allez hop. Voilà. Bon, ce sera déjà mieux. Ouais, on va essayer de se débarrasser de ça, malheureusement. Oh, mais j'ai fait de la merde. Voilà. Au moins, c'est bon, au moins je l'aurais terminé.
Ah, Mutation Nation. Eh ben, ça marche, ça sera sans doute le prochain jeu. Bon, après, j'avais aussi mon petit programme, hein. Je pensais que j'allais faire au moins un Super Psychic 3. Je crois que c'est The Next Glory, le 3. Hein. Ouais. Donc, j'ai eu l'occasion de rejouer ces derniers jours aux autres jeux de la série. Et en fait, je me suis aperçu qu'il n'y a que le 3, en fait, que j'aimais bien. Pourtant, c'est normal. En joueur français, dans le 3, on a Carton et Pépin, je crois. Donc, Cantona et Papin. Hop. Alors j'espère aussi que là, ce coup-ci aussi, tout va fonctionner aussi bien qu'hier. Parce qu'en fait, hier, je streamais depuis PC portable sur un coin de table. J'ai passé l'après-midi à refaire entièrement le setup de stream pour tout changer à partir de... Ouais, il était 20h. Il a fallu que je refasse tous mes câbles pour uniquement ce stream. Mais c'est pas grave. Donc à la base, je voulais pas streamer ça ce soir, mais bon. En fait, d'habitude, la manette qui me permet de jouer à tous mes jeux PC, comme par exemple Binding of Isaac et compagnie, bah en fait, je sais pas ce qui lui est arrivé, il manque un morceau de plastique. Bon, je pense qu'elle fonctionne, mais... Voilà. N'ayant pas envie de courir le moindre risque. Alors après, j'aurais pu m'amuser à trouver des piles pour ma manette d'Xbox One et voilà, la brancher en Bluetooth, mais bon... Il était déjà tard et si je voulais streamer, il valait peut-être mieux que je m'embête à faire un bidouille de câbles. Ouais non, par contre là, chaud, faut bien jouer quand même. Non, bon, ça passe, mais non. Voilà. Il était temps. Bon, par contre, je peux pas vous promettre de dire je vais streamer tous les soirs à partir de maintenant. Mais le délire de streamer plusieurs fois dans la semaine, ouais, ça sans doute... À part bien sûr les semaines où j'ai beaucoup de travail et là ça va être compliqué, mais... Là par exemple, des semaines comme celle-ci où il y a un jour férié, ça peut se négocier. Enfin, falloir que je négocie avec mon patron, mais bon, étant donné que c'est moi le patron... Tiens, du coup, qu'est-ce que j'ai mis dans ce bar top? Donc, j'en avais parlé hier lors du guide du collectionneur. À la base, je devais mettre un vrai slot MVS dedans. J'avais des jeux qui m'attendaient et tout. Mais en fait, voyez-vous, les gens me disent « Tiens, j'ai quelque chose pour toi, t'as juste à le réparer », mais ils ne me disent pas tout. En fait, le pote qui m'avait... Voilà. Qui voulait me donner le slot MVS avait marché dessus. True story. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Pas grand-chose. Normalement, là, ça passe, ouais. D'accord. Ça craint. Ça craint grave. Super. Ça passe, là? Oui. Voilà. Donc, pour le coup... Enfin, pas pour le coup. En fait, j'ai été obligé de mettre un Raspberry Pi 3 dedans, hein. Ça me faisait chier parce que moi je voulais vraiment faire un truc qui tue avec dedans un... Comment dire, un slot MVS avec un OSSC. Voilà, un truc qui tienne la route. Finalement j'ai dû faire autre chose. Et c'était pas ce qui était prévu, on va dire. Ça fonctionne. Sinon niveau bouton, qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis du Zippy. Que ce soit pour les boutons. D'ailleurs, attendez, hop, je vais peut-être faire une... Voilà, petite pause vite fait, donc voilà, vous voyez en fait, paf. Donc joystick, Zippy, bouton Zippy. Je me suis emmerdé en fait à faire le délire des boutons en fait sur la borne originale Neo Geo, qui était bouton A, le bouton rouge, B, c'était le bouton jaune, C, le vert, et D, le bouton bleu. Donc en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, sauf si je joue à des jeux du type CPS2. Où là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et sur les côtés les deux boutons ne servent à rien. Voilà. J'avais envie de faire ça. C'était une petite fantaisie. Bon, à part ça, du relativement classique. En fait, pourquoi j'ai mis du Zippy au lieu de mettre du Sanwa? Bah la borne en fait, c'est pas pour moi. C'est pour le travail.
bon, il fallait quelque chose de bien quand même. Il fallait pas acheter des boutons et sticks chinois, voilà, tapis deux fois dessus, ils tombent en ruine. Mais en fait, je me suis aperçu avec mes autres bar-top que mettre du Zippy, en fait, c'est pas si déconnant. Parce qu'en fait, c'est une borne qui va être, on peut le dire, hein, quand même assez maltraitée. Et j'avais pas spécialement envie en fait de mettre du Sanwa dedans ou du Semitsu. Bon, après, je peux toujours. Comment dire. Ah, mais non, mais faut. Ouais. Je peux toujours en fait changer, hein. Et puis upgrader ça, y a zéro problème. Hop, voilà. On va pas jouer toute la soirée, non. J'ai pas joué toute la soirée à Puzzle Bubble, je vous rassure. Je vais m'étonner qu'en parlant, j'ai réussi à aller aussi loin, mais c'est pas grave. Hop, j'ai aussi fait une autre petite fantaisie dans Recalbox, j'ai mis le BIOS Unibios, pour ceux qui connaissent la Neo Geo. C'est en fait un BIOS alternatif qui permet de faire pas mal de trucs. À l'époque où j'avais mon slot MVS sur ma borne d'arcade, sur ma Blast City, j'avais aussi un Unibios qui était le Unibios... Bon, c'est pas le dernier, je crois, le dernier c'est le 3.3 et quelques, et il me semble que j'avais le 1.3. Déjà fort sympathique. Quand on bootera un jeu tout à l'heure, je vous expliquerai. Enfin, je vais essayer d'y penser, de vous montrer en fait ce que vous pouvez faire avec. Il y a des trucs relativement stylés. Vous pouvez changer notamment la région en fait du jeu. Changer le jeu s'il est en mode console ou en mode arcade. Voilà. Entre autres. Et surtout accéder plus facilement aux options de la cartouche comme la gestion de la difficulté et diverses options. Sans passer par le bouton test que vous devez câbler en fait sur le Penyojama si ma mémoire est bonne. Là vous avez juste une combinaison de boutons en fait au démarrage. Et c'est vachement sympathique. Ouh, ok, je pensais que ça allait passer, mais non. C'est pas grave. Voilà, cool. Maintenant on va peut-être pouvoir jouer un peu mieux, on va dire. Voilà. Hop, prochain niveau, que je le passe ou pas, après on change, c'est promis. Salut Dominique. Ouais, j'avoue, ce kit est vraiment pas dégueulasse. Alors, comment dire, quand j'avais fait le Donkey Kong l'été dernier, j'avais dit déjà que c'était de la bonne qualité, c'est vrai, j'ai pas changé d'avis. Mais depuis, il y a une chose pour laquelle je peux témoigner, le Donkey Kong, je l'ai transporté... quasiment une trentaine de fois. Donc après une trentaine de fois, où il en est mon bar-top Donkey Kong, ben, il a pas bougé. Il y a juste le plexi qui a pris cher en fait au bout d'une semaine d'expo. Il y a un gamin qui m'avait griffé le plexi. Me demandez pas comment, hein, je m'en suis aperçu que le lendemain matin en ouvrant. C'est pas grave, hein, c'est les risques du métier, c'est comme ça, hein, c'est la règle du jeu. Bon, ça fait un peu chier. Mais c'est un peu aussi pour ça que j'ai mis du Zippy en fait dedans et pas du Sanwa. Qui est en fait, ben, si on pète un truc, ça me fera un peu moins suer, on va dire ça poliment. Par contre, faut que je joue propre. Voilà, voilà, cool. Cool, non, parce qu'en fait, là, ça va pas. Donc depuis, ben, en fait, le bar-top Donkey Kong a tellement bien survécu que quand j'ai un client qui m'a proposé l'an prochain de potentiellement lui monter un bar-top... Je me suis dit ok, mais avant bah, il faut que je me fasse un petit projet pour me rafraîchir la mémoire. Je devais normalement cet été, voilà, nickel. Je vais normalement cet été donc refaire un bar-top, à savoir celui-là, un bar-top Néo, c'était prévu. Bon en fait quand, ah par contre non, faut que j'arrête de jouer comme une saucisse. Voilà. Donc oui, je me m'étais dit, ça va me faire un petit projet pour me rafraîchir la mémoire, mais ce coup-ci... Ah bah tiens, on va changer, hop. Mais voilà, donc je m'étais dit, comme il fallait... Je sais plus en fait ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, oui. En fait, le bar-top Donkey Kong, c'était bien pratique, parce qu'en fait, j'avais eu des pièces à droite à gauche que j'avais pas payées. Mais en fait, là ici, j'ai tout commandé en fait. Donc le kit GPM88, y compris la déco. Et le reste, tout ce qui est boutons et tout machin, j'ai commandé chez Small Cab. Bon, la télé, hein, c'est toujours le même écran
boulanger, je me souviens plus la marque, ça va être Listo ou un truc comme ça. Alors étonnamment, j'ai pris le bas de gamme mais en neuf, mais les angles de vue sont vraiment pas moches, sont vraiment top en fait, je dois l'avouer. Bon, le son est un peu pourri, mais bon, pour le c'est rigolo parce qu'en fait, les stickers aussi, ouais, ça vient de chez PM88, je vais en parler après. On va faire un petit puzzle parce que c'est un jeu que j'aime bien. Et après, promis, je joue à Mutation Nation. Et donc en fait j'ai pris la télé bas de gamme. En fait ce qu'il y a de très bien c'est que j'ai pas eu besoin de mettre deux haut-parleurs en fait ici. Il y a des haut-parleurs intégrés dans la télé. Ah, c'est mon retour de stream qui vient de bugger. D'accord, c'est pas grave, j'espère que tout est ok. En tout cas YouTube a l'air bon. YouTube me confirme que je suis encore en direct. Je suis encore en direct, c'est bon. Désolé, j'ai pas l'habitude avec le live YouTube, donc je sais que des fois, même si ça drop pas de frame, ça se peut que ça se déconnecte. Ah zut! Le Unibios, si vous faites A, C et D. Ah non, je me suis trompé. Ou alors c'est B, C, A, B, D, peut-être, non? Enfin bref, il y a une combinaison de touches. On va y arriver, hein, parce que je me souviens plus. Voilà. B, C et D, qui vous permet en fait d'aller en fait dans ce menu. Et dans ce menu, voilà, dans Soft Deep, vous pouvez en fait régler des trucs comme la difficulté. Un truc tout bête, s'il y a des sons en fait de démo quand les gens jouent pas. Et je dois avouer une chose, si c'est quelque chose que vous allez laisser en soirée ou quoi, c'est un truc qui peut très vite vous taper sur le système. Donc C pour quitter. Et A sur Exit pour revenir là. Donc. Je parlais ouais, donc de la télé très brièvement. Étant donné qu'il y a des haut-parleurs dans la télé, pour l'instant, j'ai pas mis en fait un ampli. Je trouve que ça aurait fait doublon et ça aurait fait un peu naze. Donc voilà, mis à part ça, les angles de vue sont top, les couleurs sont vraiment pas moches. La latence, elle est ce qu'elle est, hein, ça reste un écran HDMI, donc faut pas non plus trop en demander. Donc stickers, oui, les stickers viennent de chez PM88. Qualité vraiment pas dégueu. Alors attention, hein, si vous prenez une loupe, vous pouvez voir à certains endroits en fait les lignes en fait de l'imprimante. Salut Sébastien. Mais c'est vraiment si vous prenez une loupe, mais comment dire, un bar top. Je vois que les personnes qui arrivent avec une loupe façon Colombo. Hein. Donc voilà. Ah bon, c'est un petit puzzle. Alors qu'est-ce que c'est puzzle? C'est en fait un Tetris-like. En moins bien, mais avec des subtilités que je trouve intéressantes. Je dis en moins bien parce que je trouve le jeu assez raide, assez rigide. Et je pense que le concept est excellent. En fait, le but, ça va être de faire échapper en fait le ballon dirigeable qui est en bas. Et pourquoi je dis que le jeu, il est très rigide, c'est parce qu'en fait, vous pouvez pivoter les blocs que d'un sens. Qui va à l'encontre en fait de Tetris depuis le 1. Mais les stickers, j'avoue, hein, en fait, pour 35 euros, vous avez le panel, le petit panel ici devant, que vous pouvez pas voir à cause de mon setup de stream. Vous avez ici en fait le marquis. Et vous avez quoi, les deux côtés, forcément. Et normalement, il y a aussi un vinyle qui vient ici, en fait, au niveau des haut-parleurs. Mais. Il se trouve que je trouvais que ce qu'il proposait au niveau du haut-parleur, c'était un peu moche. C'est pas que c'est un peu moche, c'est que ça aurait vraiment fait un peu trop fourni. Et du coup, en fait, je l'ai pas posé. Et j'ai eu bien eu fait parce qu'en fait, j'ai reçu des potes entre-temps. Je leur ai monté le truc, je leur ai montré le truc et tous m'ont dit en fait, ouais, non, ça, faut pas le mettre. Autant pour certaines choses, je demande quand même l'avis de mes potes. Et de ma famille aussi, un tout petit peu. Normalement. Tac. Donc ce qui est intéressant, c'est ce coup-ci, voilà, les blocs tombent. Donc ça peut permettre de libérer plus facilement. Mais pour 35 euros, il y a quand même les deux côtés en vinyle, le panel frontal, le marquis, c'est plus qu'un bon deal. C'est même un deal de fou. Parce que normal, de mémoire, hein, j'avais payé un truc comme 35 balles juste pour. Alors que j'essaie de me souvenir. C'était pour le spinner en fait avec la déco Tempest. Et j'avais dû payer un truc pour comme 35 balles.
Et comment dire, le spinner, voilà, c'est même pas la taille du panel en lui-même. Si, c'est la taille du panel, je pense, à quelques centimètres près. Le panel, en fait, de ce bar top. Je me comprends, pour citer Elise et Moon. Paf. Alors, Puzzle, en fait, qui est un jeu que j'aime bien. Jamais joué en arcade à l'époque, j'ai découvert, en fait, en ému. Si ce jeu était pas aussi rigide... Je pense que beaucoup, beaucoup de gens aimeraient le redécouvrir, mais... Voilà, sa maniabilité, c'est pas top. C'est vrai que j'oublie, étant donné que les blocs tombent, voilà, que je peux faire, en fait, des petites fantaisies comme ça. Et par contre, ouais, non, des fantaisies, c'est bien, mais derrière, faut jouer proprement, monsieur. Paf. Ok. On va essayer de faire un truc ici. Avec la parcours. Ouais, ça peut être bien. J'aurais dû faire l'inverse. Je suis con, j'ai pas regardé ce qui allait tomber. C'est pas grave. Mais c'est moi qui suis con en fait. C'est terrible. Ah! C'est pas possible. Voilà, bah. En fait, comme le jeu est vraiment rigide, il y a des moments en fait, vous allez recommencer deux ou trois fois un truc qui est pourtant bidon. C'est pour ça en fait que je l'ai dit tout de suite, c'est un jeu que j'apprécie, mais. S'il avait été un peu plus amical au niveau des inputs à faire, bon allez tant pis, je me laisse perdre. Et on va jouer à Mutation Nation. Voilà. Et j'ai encore mon retour de stream qui a bugué, c'est génial. Mais apparemment je suis toujours en ligne. Donc ouais, encore une fois, les stickers, c'est loin d'être un mauvais deal. Je pense même que j'aurais pu me taper le délire de commander même les boutons directement chez PM88. Mais en fait, j'avais envie de faire le délire, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, des ABCD colorés. Donc voilà, on va changer de jeu, hein, tout simplement. Mais je pense que vous pouvez y aller, hein, c'est du solide. Après, bon, le niveau des autres kits, j'en avais... Attendez. Ah non, ça part recommencer. Non, c'est bon, j'ai eu peur. En fait, j'ai un câble qui me pose problème. Le problème, c'est que j'ai acheté 3 câbles HDMI la semaine passée, sans rire. Hein. Je les ai là, je pourrais vous les montrer. J'ai 3 câbles HDMI neufs qui sont morts. Et ça, c'est beau quand même. Mais c'est pas grave. Alors, Mutation Nation, je l'ai pas mis dans mes favoris, je crois. Ouais. Hop, c'est pas grave. Hop. Peut-être faire ça, ce sera plus simple. Voilà, parfait. Hein? Ah oui, d'accord. J'ai compris, j'ai encore des bugs en fait sur l'interface. Voilà, Mutation Nation. Alors j'espère qu'il fonctionne parce qu'en fait j'ai des jeux dans mon ROM 7 Neo Geo qui fonctionnent pas. Allez savoir pourquoi. Et je crois que si je l'ai pas ajouté au favori, c'est qu'il fonctionne pas. Ouais. Bon, on va attendre encore quand même quelques secondes parce qu'en fait parfois il y a ce délire. Ouais. Non. Et j'espère que j'ai pas devoir reboot entièrement. Ah non, ok, j'ai rien dit. D'accord. Parfait. Donc n'hésitez pas à proposer le prochain jeu. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est déjà Mutation Nation? C'est un... Ah oui, c'est vrai, c'est un beat'em up, j'avais oublié. Je me souviens pas y avoir joué, mais je connaissais de nom en tout cas. NAM75. Pourquoi pas? Du moment en fait que vous me proposez pas des KOF, des Art of Fighting, des Garou Mark of the Wolf, y a pas de problème. Je pourrais y jouer, c'est juste c'est des jeux en fait j'ai déjà fait en fait par le passé, donc voilà, autant faire des autres des autres jeux on va dire. Waku Waku 7, bah en fait j'ai envie d'éviter tout ce qui est jeu de baston. Parce que je pense que j'en reviendrai dessus une autre fois, y a pas de souci. Après, l'avantage aussi que vous pouvez avoir, qui est d'acheter en fait, de mettre dedans une télé au lieu d'un écran, un système de haut-parleur, c'est ça. C'est la fucking télécommande.
À savoir que s'il y a le moindre problème, vous pouvez mettre monter, voilà, mettre du son, baisser le son. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est un super avantage. Parce qu'en fait, même si vous le laissez en soirée, comment dire, chez des potes, vous ramenez votre bar-top en soirée, ça m'arrive, hein. Et pour le peu que vos potes ont des gamins qui jouent à la borne, vous savez que dans le quart d'heure qui suit, il y en a un qui va s'amuser à mettre le son à fond et vous allez vous demander ce qui va se passer. Le bouton C, je me demande si ça sert à quelque chose. Non, c'est bon. Donc c'est juste A et B. Parfait. Alors, une autre chose aussi, si jamais vous mettez du Zippy dans une borne, dans un bar top ou peu importe, il y a de fortes chances que vous allez devoir retirer les restricteurs. Oui. En fait, c'est. Voilà. Ça, c'est pas non plus obligatoire et c'est. Bon, en tout cas, ça m'était pas arrivé avec le bar top Donkey Kong, ça m'était arrivé avec ma toute première borne que j'avais fabriquée. Et ça m'est arrivé sur celui-là. En fait, pour faire simple, en fait, au bas gauche-droite, tout fonctionne. Mais les diagonales, là, vous voyez. Hop. Je fais une diagonale, ça va en diagonale, on est d'accord. Ben, en fait, si vous laissez les restricteurs, vous allez faire une diagonale, mais ça va pas marcher. Parfois, le joystick répond même pas. A et B en même temps. Ah oui, d'accord, ok, pour le super coup. Parfait, merci. J'avais jamais joué, en fait, il me semble, ou alors il y a très longtemps. Ah, Mutation Nation. Mais je pense que d'ici, comment dire, d'ici quelques mois, selon en fait à quelle fréquence la borne est utilisée. Zippy, ça ils gênent pas, c'est pas un problème. Puis en fait, ils sont loin d'être désagréables. Alors que pourtant, comment dire, j'ai été un peu élevé au sannois, on va dire ça comme ça. Les joysticks, moi, ils me dérangent pas plus que ça. Ils sont pas aussi dégueulasses que j'aurais envie de dire. Pour certains types de jeux, hein, voilà, pour tous les jeux d'arcade, sauf les jeux de baston, j'ai zéro problème avec. Même certains jeux de baston, Street Fighter 2, j'ai zéro problème avec. Par contre, tous les jeux de baston SNK, KOF 98, impossible de jouer avec un joystick Zippy. Hein. Me demandez pas ce qui se passe. La lettre B, la magie la plus puissante, il me semble. Ok. Fait penser que peut-être jouer. En stream. Mais remarque, ça fait 8 ans que j'ai pas joué à Stream Master. Ça fait 8 ans que j'ai revendu mon slot MVS. Attendez, j'ai des bêtises. 7 ans, 2012. C'est moins désagréable en tout cas, Mutation Nation. Bon, après, je pense que ça vaut pas un Final Fight, ça on peut le dire, mais c'est loin d'être dégueu comme jeu. Par contre, comme tous les jeux d'arcade, c'est un peu compliqué en fait de lire le chat pendant qu'on joue. Mais. D'accord. Bon. Voilà, tiens. Va chercher ton monos. Je suis en train de me faire martyriser à l'infini. Ah ouais, en fait, il y a une stance d'animation. C'est moi ou on voit plus son bras, en fait? C'est bizarre. Bon, enfin bon. Ah, et on vous jette des cailloux aussi quand vous prenez trop votre temps. D'accord. Et j'ai même été étonné de voir en fait que, comment dire, à Street Fighter 2, j'arrivais mieux à faire les 360 en fait avec Zangief avec un Zippy comparé à un joystick normal. Mais c'est normal, étant donné qu'il n'y a pas le restricteur et que le joystick du coup il est ultra mou de granier. C'est un joystick aux plantes. Donc voilà. Donc après, j'avais envie de faire un mode. Ah oui, ouais. Par contre, avant de.
Quoique NAM 75, j'ai jamais. Je connais le jeu, hein, bien sûr. J'ai jamais trop apprécié, j'ai jamais trop accroché au délire du jeu. On va y jouer quand même, y a pas de souci. Mais avant, moi j'ai quand même envie de me faire un petit super psychic. Essaye la magie, zut! Désolé. Désolé. Comme là j'ai le chat en tout petit sur le côté, c'est parfois compliqué. Super psychic 3. Tac. Speedmaster, il était là. Voilà. Et là, on va jouer avec Jean-Pierre Pépin et Philippe Carton. Voilà. Donc, c'est BCD pour changer les options du BIOS. Ce que j'avais fait jouer au jeu. Un gamin. Et j'avais dû mettre en niveau 1. On va remettre quand même en niveau 4, faut pas déconner. Hop, voilà. Bon, le Unibios, c'est quand même vachement appréciable. Le 4, et c'est pour quitter, voilà. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de changer des options en fait de jeu, un truc tout bête, Windjammers, si vous voulez mettre les vraies règles du tour de... comme ça joue en tournoi, à savoir, ben, c'est pas compliqué, mais 99 secondes, au lieu de... je crois que c'est 30 secondes, un truc comme ça. Ah, voilà. Et aussi, ce qu'il y a de rigolo avec Super Psychic, c'est en fait, à partir du 2, dans la série, il me semble que vous pouvez mettre tous les jeux en français. Eh oui. C'est comme ça. Ah, zut. Attendez. Je voulais que vous voyiez, en fait, le magnifique écran d'intro, en fait. Voilà. La prochaine gloire, Super Psychic 3. Hop, donc, le bouton D sert à que chi. Comme dans tous les Super Psychic, on va prendre la France, faut pas déconner. Bah, proposer un petit jeu après NAM 75. Parce que comme NAM 75, j'y ai pas dû jouer une fois dans ma vie. Au cas où ça devient... ça tourne vite au vinaigre. Par contre, il y a un truc sur mon plexi. Ah non, je sais ce que c'est. C'est une poussière en fait. Quand hier j'ai... oui, je sais. Quand hier j'ai collé mes haut-parleurs avec le pistolet à colle, il y a un fil en fait de colle chaude. Bouh! Ah, il est comme ça lui. Il tacle. Ah, ça c'est Carton. But. Ah non! Ah, quelle naze! Metal Slug! Ça risque d'être un peu compliqué avec ces joysticks. Comme j'ai dit, hein, pour tous les classiques Neo Geo, j'ai été un peu élevé au Sanwa. Oh non, je fais de la merde. En fait, j'ai un peu envie d'éviter les classiques étant les jeux de baston et les Metal Slug. Voilà, but. Voilà. Il y a trois façons de marquer en fait dans Super Psychic 3, qui est le but, voilà, comme je viens de faire. L'autre but, c'est je bourre le gardien renvoie la balle, je reprends la balle, je tire dans le but. Et il y a le centre avec une tête, mais alors là, il faut faire une petite combinaison de boutons. On va essayer de le faire après. Ah bah tiens, hop, ça peut être rigolo. Oui, voilà, ah. Ça marche pas toujours le centre avec la tête, mais... ça peut faire des trucs sympas. Par contre, j'ai voulu faire une passe, mais... j'ai oublié d'appuyer. Ah, Marcel Le Sailly. Et voilà, ça c'est le second but. Qui est le jeu pour le gardien et derrière voilà. Voilà, faudrait peut-être déplacer un peu la borne. Non, c'est mieux. Donc c'est toujours Jean-Pierre Pépin. On va essayer de marquer un but avec Carton après. Ça peut être rigolo. En fait, comme j'ai retiré les restricteurs,
ça fonctionne, hein, y a pas de souci. Mais en fait, j'ai un peu du mal à trouver la diagonale en bas à droite, en fait. Oh, y a rien. C'est quoi cet arbitre en carton pâte? Ouah, non, mais là, mon grand. Je t'aurais bien taclé. Viewpoint, ah, pourquoi pas. Oh, on va essayer de marquer le El Famoso but sur corner. Alors, faire ça. Non. Non, déjà le but, c'était pas au bon endroit. C'est pas grave, déjà 2-0 pour le premier match, c'est cool. C'est mon jeu de foot rétro préféré, de toute façon, Super Psychic 3 sur Neo. Hop. Et non. C'était Carambeux, ça. Vous reconnaissez la chevelure. Il y a personne. Super. Oh, mais non, mais qu'est-ce que tu fais, Kanto? Oh là. Picasso. Mais... Jean-Pierre. Jean-Pierre, il voit la balle passer, mais... Mais si vous avez l'occasion à deux, les autres jeux de la série, notamment le 2. Alors attendez, après il y a Neo Geo Cup 98. Et il y en a un autre aussi. Alors, mes préférés étant quand même le 2 et surtout le 3. Super Psychic 2 et Super Psychic 3, je vais y arriver. C'est des jeux qui se jouent totalement. On joue contre quoi? Le Pays de Galles. Il me semble, ouais, c'est le Pays de Galles. Après, au prochain match, c'est promis, on changera de jeu. Je crois que j'avais déjà joué à Super Psychic 3 en stream. Et vous savez que je peux le terminer. Donc... Oh, mais quelle naze. Donc après, on va se faire un âme et après un viewpoint. Et je voulais faire impérativement. Voilà. Ouais, non, mais en même temps, bon, l'arbitre, faut arrêter, hein. Voilà. Pas me faire charcuter tous mes joueurs non plus, hein. But. Allez. Ça, c'est... Jean-Pierre Pépin. Joue pour moyen de marquer un but et cartonne, hein. Hop. Ce serait rigolo qu'il existe des ROM hacks avec les noms actualisés en fait des joueurs. Comme ils ont fait il y a quelques années avec... Ah, j'allais dire, ils l'ont fait avec NBA Jam, mais ils l'ont fait aussi avec... comment s'appelle ce jeu? Sensible Soccer, voilà. C'est marrant, Sensible Soccer, quand je retrouve pas le nom, je pense à la musique. La musique d'intro sur Amiga. Hop. Hop. Et je sais pas pourquoi en fait j'aime bien Super Psychic. Sans doute peut-être les nombreux souvenirs en arcade. Ah zut, je voulais vous montrer comment ça fonctionne en fait le système occasion, en fait, quand vous rentrez avant la surface, genre 10-15 mètres avant, au-dessus de votre joueur, au lieu de soit marqué tir, c'est marqué occasion. Et là, si vous appuyez, vous avez en fait une petite séquence où vous devez cadrer votre tir, qui est assez rigolote. On va essayer de voir si je peux vous montrer, ça pourrait être sympa. Alors après, c'est possible de marquer aussi des buts comme ça avec le système occasion. Occasion du lion, on va dire ça comme ça. Mais c'est franchement aléatoire. D'accord. Attends, là, ça aurait été compromis. De toute façon, là, je pense qu'à 2-0, je crains rien pour le prochain match. Ce que je voudrais, c'est vous montrer ce truc. Parce que c'est assez rigolo. Ça vous montre quand même ce qu'il est possible de faire, au moins sur Neo Geo à l'époque. En plus, c'est un truc qui est totalement stylé. Et en plus, c'est... Bah, d'accord, super. Bravo Levo. Non.
Non? Oh, mais non, mais. Et salut Amine. Hop. Moi qui disais c'est bon, là, 2-0, je suis sauvé. De toute façon, c'est le dernier match, c'est pas bien grave. Mais... Non. Bon, allez, ça fera 3-1 quand même. Bon, après, c'est les premiers matchs, hein, les 2-3 premiers matchs. Ah oui, El Famoso caméra qui suit les baloches, voilà, on va dire ça comme ça. C'était les pépins de Jean-Pierre. Faut que j'arrête de faire des blagues de merde comme ça. Un jour, ce qui va se passer, il y a quelqu'un qui va faire une compilation en fait de tous les jeux de mots et toutes les blagues de merde que j'ai faites. Je serais bien emmerdé. Allez, du coup, on avait dit Nam et après Go pour faire un viewpoint. Donc maintenant, il faut que j'attende que mon écran, à cause de la carte de capture, veuille bien réafficher, voilà, le menu. Donc on a dit Nam. Nam 1975, j'ai joué. Non. Donc pour le coup, on va voir s'il fonctionne. Alors après, jeudi, normalement, il y a podcast. Il y a le podcast du collectionneur. Je dis normalement parce qu'en fait, apparemment, la petite pelle ne sera pas présente. Et du coup, je me demande si on va pas repousser. On va voir. On va voir ça. En tout cas, on a un sujet, on a tout ce qu'il faut. C'est juste que voilà, faire un podcast sans petite pelle, c'est comme un coucher de soleil sans plage, voilà. Rien dire ce que j'ai dit. Pourquoi pas? Ok. Ah oui, NAM75, oui, c'est l'intro. Alors, donc on contrôle forcément avec la manette. A pour la mitraillette. B, arme spéciale. Je pense pas. Ah oui, c'est pour les courses. Ouais, voilà. D'accord, ok. J'y ai jamais joué. Alors j'espère qu'il y a du son du jeu. J'entends que dalle. Ah, ce qu'il y a bien, c'est qu'on peut laisser enfoncer. Et du coup, en fait, ça lock le perso en place. D'accord. Ok. Ouais, par contre, il faut bien jouer, quoi. Ah, ok, là, ok. Donc, ça me permet de faire les dash. D'accord. Ça, j'ai compris. Enfin, maintenant, j'ai compris. Alors, est-ce qu'il y a du son du jeu? Ah oui, effectivement. Donc en fait, il y a les dash latéraux, qui est juste en fait une direction et le bouton C, mais les diagonales arrière. Enfin, dire, ouais, voilà. Diagonale bas droite et diagonale bas gauche. Ok. En même temps, là, c'est normal, hein, je découvre le jeu. Par contre, confirmez-moi s'il y a bien le son du jeu, parce qu'en fait, j'ai rien sur mon retour. Et là, en fait, il faudrait que je puisse mettre pause d'une façon ou d'une autre. Voilà. D'accord. Waouh, je joue mal. Pouah, en plus, si je confonds le bouton C et le bouton D, ça va pas aller. Hein. Le bouton B et le bouton C plutôt, c'est pas grave. C'est pareil. En même temps, je vous l'avais dit que ça allait mal se passer avec Nam. C'est pas que j'aime pas le jeu, c'est que j'ai jamais trop joué. J'ai encore confondu B et C. J'aurais dû mettre en difficulté pour vieillard asthmatique. En tout cas, streamer comme ça en milieu voire fin de soirée, c'est un truc qui me correspond. Je l'avais déjà souvent fait par le passé. Alors, tout à l'heure aussi, j'ai fait un stream expérimental sur
un vieux compte Twitch que j'avais pour tenter une chose qui est en fait de faire des réparations en direct. Ah non, mais le jeu, il est jouable, il n'y a pas de problème. C'est juste que je découvre. Alors, je disais, j'ai tenté de faire un truc expérimental qui est en fait de relier ma caméra 4K à ma carte de capture et à faire des... Comment dire? Pour potentiellement faire des streams réparation en live, mais avec une résolution en fait de qualité. Voilà. J'ai l'image. Le problème, c'est que ma carte de capture, elle aime pas un truc. Et je sais pas quoi encore. Hein. Je me suis pas non plus penché sur le sujet trop longtemps. J'ai pas eu trop de temps pour ça. Le souci, c'est que ça fait un Larsen en continu. Donc c'est bien, vous avez une image qui est plus que respectable. Mais voilà, ça fait un bruit dégueulasse. J'ai pas compris. Ouais. Bon, par contre, dès l'instant où on a battu nos deux amis, je vais faire un viewpoint parce que là, ça va pas. Pour citer Monsieur MV, les autres vont se moquer de moi. Voilà. Nam s'est promis, j'y reviendrai quand... Parce qu'en fait, j'aime bien le concept, mais j'y reviendrai quand j'y aurai joué un peu plus que ça. Parce que là, pour l'instant, c'est très compliqué. Donc, viewpoint, on avait dit. On avait dit viewpoint. On fera un Windjammers après. Viewpoint. Ah ouais, ok. V-I-E-W et non pas W-I-E-V. C'est pas grave. C'est mon cerveau qui a décidé qu'il était déjà... que c'était déjà le 1er mai. Alors, est-ce que le jeu va booter, je l'espère. Normalement, oui. Ouais. C'est juste qu'en fait, étonnamment, l'image, elle arrive en premier sur la carte de capture et après, en fait, sur l'écran. À cause du branchement absolument abscon que j'ai fait tout à l'heure. On va laisser l'intro. Tiens, j'en profite pour proposer le prochain jeu. De toute façon, je pense pas que je vais... m'attarder trop longtemps, j'ai pas faire la même erreur qu'hier, sinon après le temps de faire la vaisselle, de manger le dessert, parce que voilà, j'ai pas encore mangé. Ça va encore me faire coucher sinon à 1h du mat. Mais voilà, des petits streams comme ça en nocturne, c'est. Ça me plaît bien. Bon après il va falloir que j'essaie de trouver un fil rouge comme dans Interville. Faut que j'arrête avec mes références. Mais moi ça m'amuse. C'est le principal. Alors j'ai trouvé un fil rouge, j'ai quelques pistes à explorer, on va dire ça comme ça. Ah oui, je me suis fait aussi une petite fantaisie en façade. Le bouton crédit, c'est un bouton avec un dollar, donc c'est le bouton pognon. Et petit bonhomme, c'est le bouton 1. Et l'autre côté, en fait, c'est bouton pognon aussi, et bouton 2 petits bonhommes si vous jouez à 2. Alors donc, la poignée, c'est pour bouger, forcément. Tirer ou charge, donc comme dans R-Type, on peut charger un tir. B, c'est la bombe, forcément. J'ai envie de dire. Alors par contre, je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure, attendez. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai tellement baissé le volume que je n'entendais plus rien tout à l'heure. Alors, select B. Voilà. Ah, c'est mieux. Apparemment, ça a l'air d'être... Ah oui, Viewpoint, c'est vrai, il joue comme... comme Zaxxon, voilà, en 3D ISO. Je sais pas pourquoi, je voyais pas du tout. Ah, le nom disait quelque chose, mais je voyais pas le jeu comme ça. Ah ouais, du coup, avec les diagonales qui... Parfois, j'ai un peu de mal avec le Zippy. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça va très mal se passer. Mais en tout cas, c'est rigolo, en fait, de streamer, en fait, depuis un bar top. Un truc qui me fait marrer en tout cas.
tout cas, c'est promis. J'en avais parlé hier. Enfin, quand je dis c'est promis, c'est une chose que je me promets à moi-même. C'est que je ferai un stream en fait sur Skate 2 ou Skate 3 sur Xbox 360. Parce que c'est un jeu qui peut être très sympa à jouer en soirée. Pas forcément faire un let's play dessus, mais y revenir peut-être une fois par semaine. Ça peut être rigolo. Bon, après, attention, hein. Là, ce stream, il sera disponible après en VOD sur YouTube. Je vais essayer de trouver un fil rouge pour streamer un peu plus régulièrement. Et ce sera, les streams ne seront peut-être pas forcément archivés, parce que ce sera peut-être pas forcément pertinent. Il faut que je reprenne aussi les vidéos réparation. Je fais n'importe quoi. Faut que je reprenne les vidéos réparation. En même temps, en ce moment, j'ai pas grand chose aussi à réparer. Tant mieux, j'ai envie de dire. À un moment donné, novembre, décembre, janvier, février, c'était un peu la fête à la saucisse. Tout ce qu'on m'avait donné à réparer. Donc c'est bien aussi de temps en temps pouvoir faire d'autres choses. Bon, cet hiver, c'était un peu à la chaîne, les réparations. C'est très sympa, hein, je veux dire, on répare des trucs pour ses potes ou quoi, machin, c'est cool. Mais à un moment donné, quand il y en a trop, c'est l'enfer. Ok, dis-moi le jeu, est-ce qu'on revient là où on est? Pas au tout début du niveau, j'espère. Non, si c'est seulement le truc avec les trappes, voilà, c'est bien. Je suis en train de raconter ma vie, du coup, je suis pas concentré. J'oublie trop souvent le tir chargé. Voilà. Voilà, meurs de l'essai. Je sais pas pourquoi j'ai paniqué. Allez comprendre. Ok, donc j'ai amélioré mon tir maintenant. J'ai 3 tirs. Par contre, j'espère que c'est pas mon chat. J'espère que c'est pas totalement le chat qui a bugué. Mais le problème, c'est que tant que j'ai pas de temps mort, je peux pas le savoir. Oula, oula, oula. Et donc pour un premier boss, il est pas gratuit lui, hein. D'accord. Alors, j'essaie de faire F5. Ah non, c'est bon, ça a pas planté. Merci Dominique. Ok. Va falloir que j'essaie de voir d'où vient ce bug de chat YouTube, parce que c'est assez pénible. Enfin, y a pas que le chat qui bug. On a le tour hier en fait, au bout d'une heure et quelques de stream, j'ai dû recharger le plugin dans l'explique. Ok, bon bah. Viewpoint, voilà. Ok, non mais je me doute bien, c'est pas la question. C'est juste que là, j'ai mon retour de stream qui s'était arrêté, en fait, il s'était mis en pause buffer. Ok, qu'est-ce qu'il me dit lui? Ah d'accord, waouh, ça veut rien dire. Attendez. Attendez, est-ce qu'il faut que je fasse un truc? Ah, ça venait peut-être de là. J'ai une fenêtre Google Chrome qui était restée ouverte. Et ça me bouffait 80% d'utilisation de mon CPU. Oula. Et d'habitude, j'ai jamais ça. D'habitude, c'est toujours le calme plat. C'est de regarder d'où ça vient, tout ça. Vite fait, vite fait. Le temps que vous me proposez un jeu, tiens. Bah, j'avoue, je commence à être un peu crevé moi aussi. Alors, ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Voilà, j'ai compris, en fait, c'était pas Chrome qui bouffait 90% du truc de mon processeur. C'était, voilà. Parce qu'en fait, j'avais ouvert
une fenêtre de Chrome et une fenêtre de Firefox. Ne me demandez pas pourquoi j'ai deux trucs. Et là, d'un seul coup, mon processeur, il est redescendu à 28%. C'est mieux, au lieu de 95% avec XSplit qui met des messages du genre « Attention, il va se passer un truc si tu continues à faire l'andouille. » Alors, à quoi on va jouer maintenant? Vous pouvez proposer, je vais choisir un petit jeu en attendant. Speedmaster, ça me fait bien envie, mais je regarde ce qu'il y a d'autre. Alors, je l'avais promis. Voilà. Parce qu'à un moment donné, si je joue pas à Windjammers, bon, même si je joue très mal. Et bon, en même temps, quelque part, la borne, enfin, ce bar top, je l'ai quand même fait dans l'optique qui est 3-4 jeux qui tournent dessus de façon régulière. Windjammers est l'un d'entre eux. On a joué à Puzzle Bubble tout à l'heure. Je pense aussi à un petit Neo Bomberman. Ah oui, BCD, parce qu'il faut que je change la difficulté. Ah oui. Voilà. Voilà. C'est pareil, j'avais mis en difficulté 4. Parce que... j'avais fait jouer un kid. Super Spy. D'accord. Bon, on va regarder ça après. Windjammers, un jeu que j'adore. Mais ça, vous le savez. Sans doute. Et j'ai coupé, voilà, les bruits d'intro. Alors, par contre, Windjammers, un jeu que j'adore. Mais l'écran, en fait, où vous... comment dire... l'écran entre les matchs, en mode psychédélique, épileptique... j'en suis moins fan. Voilà. Voilà pourquoi je me suis fait chier en fait à mettre les 4 boutons de couleur. Parce que voilà, bouton 1, le rouge, le 2, le jaune. Sur certains jeux, en fait, c'est marqué. On les voit en fait sur les fameux écrans How to Play. Et c'est là où je regrette de ne pas avoir quelqu'un pour jouer avec moi. Mais c'est promis. On refera une soirée en fait bar top quand mon pote Charles y repassera. Je l'avais, mais en fait, c'est pas compliqué, quand j'avais mon slot MVS, le premier jeu que j'avais acheté, c'était Windjammers. C'était, voilà. Pepito. Et voilà, c'est parti. C'est vraiment un jeu que j'adore. Par contre, c'est vraiment un jeu auquel je joue mal. Hein. Je me souviens, il y a très longtemps, sur un de mes streams, on avait eu la visite de Keikun, qui est... quasiment le champion de France, je pense, hein, sur le jeu. Hein. Et c'est là, il m'avait dit, mais en fait, tu joues mal au jeu, parce qu'en fait, il y a des coups spéciaux et tu les fais pas. C'est là où j'avais découvert ça. Alors, j'aimerais baisser le son. C'est pas grave, c'est fait. Et c'est là où j'avais découvert, en fait, que depuis des années, je jouais au jeu sans connaître les bases, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, je suis assez impatient de voir ce que ça va donner Windjammers 2, parce qu'il y a une suite qui est en développement. Et je suis assez curieux. Voilà. Ah, zut. En plus, c'est marrant que cette borne, je l'ai construite avant l'été. Parce qu'en fait, apparemment... enfin, je dis apparemment... c'est pas encore... bah, la date est confirmée, mais pas exactement le programme. J'ai deux dates, les 6 et 7 août, dans une ville avec laquelle je travaille beaucoup. J'aurai l'occasion d'en reparler. Mais en fait, apparemment, aux dernières nouvelles, on avait dit qu'on mettrait Windjammers, en fait, en tournoi. Et faire découvrir ça au Pecho. Ouh, j'étais pas sûr de la marque. Mais non, mais... J'ai raté mon lift, c'est pas grave. Mais ouais, c'est vraiment un jeu que je kiffe. Et par contre, il va falloir que j'arrête de jouer comme une merde. Parce que les autres vont se moquer de moi, voilà. Bon, c'est bon. L'honneur est sauf, j'ai pas perdu un round, c'est bien. Sur mon premier match quand même, faut pas déconner. Mais qu'est-ce que j'ai pu y jouer à ce jeu quand j'ai eu mon MVS, quand j'ai eu mon slot, mon MV4F, j'avais acheté 3 jeux durant les 3 premiers mois, qui étaient Windjammers. J'avais acheté Metal Slug 1 parce que j'avais trouvé un bon deal. Je l'avais trouvé à un prix absolument ridicule.
En fait, avec beaucoup de jeux MVS, je sais pas si c'est avec tous parce que je me souviens plus. Et vous avez en fait une petite feuille en fait avec les inscriptions. Et j'avais eu le Metal Slug 1. Attention, hein, la feuille des instructions était un. Comment dire, une repro. C'est quelqu'un qui l'avait fait voilà, avec son imprimante. C'était cool de l'avoir. J'avais dû le choper pour 27 ou 28 euros, quelque chose comme ça. Il y avait une enchère à la con eBay. Que j'avais remporté à ma grande surprise. Le Windjammer, ça par contre, je sais que j'avais payé une quarantaine d'euros. J'avais pas cherché à comprendre, il y avait une boutique pas mal de chez moi qui avait des jeux en MVS. J'avais vu qu'il l'avait en checkant le site internet. J'étais pas pris la tête. De toute façon, le jeu, je le voulais, alors. Autant pour payer les frais de port et faire marcher le commerce local. Oh, mais je joue comme une merde. Bon, c'est pas... Ah! Attendez. Parce que bon, c'est pas tout d'avoir fermé. Ah ok, c'est revenu. J'ai le fameux bug en fait du chat, voilà, qui comme hier en fait va se mettre à bugger. Bingo. Alors attendez, il faut que je retape parce que sinon j'ai pu voir mon message. Ça, ce bug, il est absolument horrible parce qu'en fait, midstream, ça vient tout couper. Et ça me casse les pieds. Bon après, c'est facile, hein, il suffit de remettre, voilà. Les infos, mais c'est assez pénible, surtout pour vous, parce que voilà, ça laisse un gros not connected to any YouTube live chat. Paf. Et là, normalement, ça revient. Et ben, bonne nuit, Dom. Et à bientôt. Hop. Bon, allez, je vais quand même jusqu'au bout du second set, et puis après... Oh là. Après, on se fait un dernier petit jeu, puis moi aussi, je vais y aller. J'ai voulu tenter une feinte, mais je me suis embrouillé dans ma feinte, c'est pas grave. Ouais, c'est... Oh, j'ai voulu lire le chat et du coup je me suis fait avoir. Ouais, non, le coup du chat qui bug, j'ai eu déjà le tour hier. C'est assez relou. Le problème, c'est que je sais pas d'où ça vient. Faut peut-être que j'essaie de mettre aussi à jour mon XSplit. En fait, il m'a proposé déjà hier une... Bon, c'est pas grave. Voilà, de toute façon, c'était... Allez, on met un dernier petit jeu, puis après, je vais me sauver. Donc ouais, en fait, le truc, c'est... Je sais pas d'où ça vient. C'est assez relou, ce bug. Mais étant donné que j'ai pas mis XSplit à jour depuis... Fou. Moult mois. Je suis pas étonné. Alors à quoi, par contre, on peut terminer... Ah oui, je sais. À terminer par un petit Neo Bomberman, et puis après... J'irai faire un dodo, mais avant d'aller faire dodo, de faire à manger, de faire la vaisselle et tout ça, va falloir que je refasse le câblage de la borne. Ah oui, parce que si quelqu'un vient demain, faudrait pas que je dise « Atta, hier j'ai streamé, donc voilà. » C'est cool hein, de pouvoir streamer comme ça, parce que c'est assez marrant. Mais par contre, voilà, c'est un peu relou, dans le sens où il va falloir que je refasse le câblage de l'écran. Bon. Ça va faire 5 minutes. Alors, Neon Bomberman, qui est un jeu que j'avais découvert en arcade dans un bistrot pas mal de chez moi. J'ai pas joué beaucoup, je dois l'avouer, quand c'était... Donc voilà, le fameux combo ABCD, en fait. On voit bien que c'est... Alors, je sais pas si on va pouvoir le voir, c'est pas grave. Voilà, donc ouais. On voit bien, en fait, les différentes touches. Et en fait, il est vachement cool. Alors, par contre, oui, El Modo de Juego, Yves Jego. En fait, me demandez pas pourquoi, le jeu est en espagnol, j'ai dû pas télécharger la bonne ROM, mais bon, c'est pas grave. J'aurai l'occasion de corriger ça. Et ouais, il est cool ce Neon Bomberman. Hein. La bande son est sympa, graphiquement c'est beau, ça se joue bien, paf. C'est allé là. Je voulais, c'est qu'il ne me suit pas, lui. C'est cool. Juste vérifier où il va. Voilà. De mémoire, il revient en avant. Non, pas tout de suite.
Super. Bravo le veau. Mais par contre, en ému derrière, qu'est-ce que j'ai pu y jouer à ce Néon Bomberman? Fait partie de ces jeux en fait que j'aime bien jouer en fait en multi, mais en solo ça me dérange absolument pas. Je sais pas si on pouvait jouer à 4 en fait sur la borne. À 2 c'est certain. Je me souviens y avoir joué avec l'un de mes petits cousins quand j'avais découvert le jeu en fait dans un bar. Mais la question est-ce qu'on peut jouer à 4, je pense pas. Bah, de toute façon sur Neo, il n'y a pas de jeu qui joue à 4 sur borne, non? C'est moi qui divague. Voilà, sans le temps que la trappe elle s'ouvre, je voulais vérifier. Voilà. Hop, on va faire vite fait. Parce qu'elle vient d'avoir une bombe en plus ou alors un petit power-up des familles. Ah bah voilà. Voilà le jus d'orange. Mais je pense pas qu'on pouvait jouer à 4. Hop. J'aime bien jouer, c'est le genre, je disais Bomberman, j'aime bien jouer tout seul, parce qu'en fait, ça me détend en fait, c'est le genre de jeu qui me détend. Je sais pas pourquoi, hein. Ça a toujours été comme ça. Paf, pastèque, voilà. Et du coup là, on a un assist. Alors par contre, je me souviens plus, mais je crois que l'assist, il peut... il peut vous exploser la tronche. Par contre, voilà, j'aurais bien voulu voilà, que tu fasses péter ta bombe. Et de mémoire, maintenant, on peut taper, voilà, on peut taper dans les bombes, ça c'est cool. Et voilà, un petit power-up pour aller plus vite. Moi, je dis pas non. Ah oui, le pain d'épiceman, voilà, il est là. Non, c'est bon, je l'ai, t'inquiète pas, voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est deux fois, lui. J'avais oublié. Puis graphiquement, il est quand même pas mal, hein, ce Neo Bomberman. Faut pas déconner. C'est de la Neo Geo, quelque part. Un jeu moche sur Neo Geo, est-ce que ça existe? Voilà, c'était en fait la question en fait pour le pack philo cette année. Vous avez 4 heures. On plaisante, mais s'il y avait eu des questions comme ça au bac philo. On aurait été nombreux. Avoir des sacrées bonnes notes. Ok. Parfait. Au cas où. Nickel. Ouais, tout, je t'avais vu venir. On n'a pas découvert où elle était la trappe. Ok. Badaboum. Je commence à avoir la dalle en fait, moi. C'est violent. C'est pas grave. Elle est pas en haut. Elle est en haut, je crois. Ah non. J'ai rien dit. Bon alors faut encore un petit niveau puis après je me sauve. Il faudra vraiment un jour que je fasse quelque chose hein, pour essayer d'avoir une webcam de meilleure qualité. Il me semblait qu'un de mes potes en revendait une, un truc vraiment bien. Puis en fait ben, j'ai rêvé. Ou alors c'était il y a quelques mois et je me suis réveillé que tout à l'heure. Ok. Voilà. Paf, pastèque. Voilà, par contre, je me souviens plus à quoi ça sert ces bombes rouges. Ah, elles passent, les explosions passent à travers les.
Enfoiré! Voilà. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. L'assist, en fait, il peut, en fait, vous explosez la tronche. Super. Bravo, Levo. Merci, l'assist. Et bien sûr, j'oublie de regarder ce qu'il y a sur l'écran. Hein. Je fonce dans un ennemi. Ah, voilà. Mon ami explose ta bombe. Comme ça, au moins, voilà. Hop, ça, c'est bon. Ça passe. Oula. L'œuf, c'est pour moi. Merci, t'es gentil, mais voilà. À un moment donné, il faut se respecter. Alors, de mémoire, ils ont tous des... Enfin, tous les... À chaque fois, vous récupérez un œuf, en fait... Ah bah non, je fais le con. Voilà. Puis comme ça, au moins, on va pouvoir terminer ce niveau. Bon, allez, sur ce, les amis, on va se quitter là-dessus. Parce que je commence à être un peu mort. Et puis, bon, de toute façon, je vais revenir très bientôt pour de nouvelles aventures. Et ce coup-ci, voilà, avec une webcam avec des couleurs un peu moins bizarres. Je l'espère. Allez, sur ce, ben, des bisous. Et à très bientôt. Alors, attention, chérie, ça va couper. Et d'habitude, je mets toujours un petit message dans le chat. Mais comme un sac... J'ai fermé Firefox parce qu'il bouffait trop de ressources processeurs. Je pourrais même pas vous souhaiter la bonne nuit dans le chat. Et ben allez, des bisous et à très bientôt.